de la salle Wagram à Paris, où vous assistez aux dernières minutes d'un combat qui avait été prévu en 30 et qui se déroule entre Mercier et Le Bulch. Il ne s'agit pas de saut de mouton comme vous pourriez le croire, il ne s'agit pas d'un exercice de culture physique, il s'agit d'un véritable catch, puisque Le Bulch est actuellement enfourché et va vraisemblablement être compté 3-3. Et voilà, nous avons pris l'antenne juste au moment où vous avez vu avec quelle noblesse et avec quelle dextérité le jeune Mercier a battu le vilain Le Bulch, à la suite d'un combat fertile en rebondissements, dont et surtout les rebondissements des catcheurs. Ambiance étonnante, j'oserais même dire ambiance extraordinaire, et pour quelqu'un qui, comme moi, ne s'est pas retrouvé depuis longtemps dans ce milieu purement intellectuel qu'est le milieu du catch, c'est un régal de culture, un régal artistique, un régal, bref, de toutes les manières. Bravo et merci, monsieur l'arbitre, dit Mercier, qui vient de gagner ce combat. Et le prochain combat que nous allons voir va être celui de Gilbert Leduc, champion du monde, contre un homme connu sous le nom, sous le titre, sous le sobriquet, de Le Bourreau de Béthune. Pour vous dire quel est le véritable caractère de Leduc, le champion du monde, nous sommes allés l'autre jour, avant-hier matin très exactement, tourner un film sur l'entraînement auquel il se livre, et avant que les catcheurs ne montent dans le ring, je m'en vais vous faire passer le film que nous avons tourné. Nous étions à ce moment-là, non loin d'Ozoir-la-Ferrière, dans l'établissement d'entraînement qui appartient à Madame Durand, établissement d'entraînement des chevaux. Et voici Gilbert Leduc menant à l'entraînement des chevaux de Monsieur Conrard, le fort distingué propriétaire. Actuellement, les chevaux là sont sous l'entraînement de Giffard. Giffard que les turfistes connaissent bien, et voici le duc qui va faire faire à un cheval quelques mètres. Et voici les dernières minutes de l'entraînement. Le gentleman du ring qui vient de terminer l'entraînement matinal, je dois dire qu'il fait horriblement froid ici ce matin, il fait au moins moins 10. Voulez-vous venir, cher Gilbert Leduc? La cravache, ça fera évidemment beaucoup mieux. Vous devenez un turfiste assidu. On dit que vous allez bientôt faire vos débuts en course à Vincennes. Oui, oui, prochainement. Je mets Irène 2 le 20 décembre à Vincennes. Le 20 février, le vous 20 février, dire. Pardon. Oui, oui, je me crois en décembre parce qu'il fait très froid. Vous avez raison. Irène 2 à M. Conrard, excellente jument d'ailleurs. Oui, vous avez une chance de gagner. Ben, j'espère, bien on sûr. On peut vous appuyer de nos deniers. Bon, je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est sûr, mais enfin tout de même. Rien n'est jamais sûr dans la vie. Non, non. Écoutez, est-ce qu'il est plus difficile à votre avis de mener un cheval ou bien d'avoir à combattre un adversaire sur un ring? Eh bien, c'est tout à fait différent et je dois vous dire, je ne pensais pas que c'était aussi difficile de mener un cheval. Il faut vraiment tirer dessus. Chut ! Il ne faut jamais employer le mot tirer quand on parle de chevaux, parce que les téléspectateurs, surtout les turfistes, pourraient penser que vous tirez le cheval. Vous savez ce que c'est que tirer un cheval? Oui. On lui donne mal aux dents, on l'empêche de donner son maximum. Mais enfin, ça n'arrive jamais ou ça n'arrive plus jamais. C'est aussi pour l'empêcher de galoper. C'est exact. Ce qui nous rappelle quelque chose, surtout le jeudi soir. C'est ça. Bon, Gilbert, je voudrais que vous me disiez, est-ce que vous aimez le catch? C'est curieux cette question que je vous pose, mais vous avez l'air tellement détendu, tellement intéressé par ce que vous faites ici que l'on arrive à se demander. Si, si, j'aime le catch. D'ailleurs, pour faire ce métier, il faut l'aimer, c'est assez dur et je crois qu'il faut vraiment aimer ça. Ça fait combien d'années que vous l'exercez? Ça fait une quinzaine d'années déjà. Bon, je voudrais maintenant que vous me disiez à quoi vous passez vos soirées. Eh bien, je regarde la télévision. Les combats de catch? Oh non, 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 je préfère quelque chose de plus intellectuel. Diable, alors non seulement vous êtes le gentleman, mais vous êtes l'intellectuel du catch. Je regarde Lecture pour tous, par exemple. Lecture pour tous, vous savez que ça fera très plaisir à nos amis des groupes du Maillet et Jean-Prat, parce que vous l'ignoriez sans doute, mais moi je peux vous assurer, je les connais bien, qu'ils adorent le catch. Ils s'en défendent, mais ils l'adorent. Bon, puisque nous parlons lecture, quels sont par exemple vos auteurs favoris? Eh bien, en ce moment,
François Mauriac. Parce qu'il a la voix d'un homme à qui on ferait une main blanche, non ? Non, parce qu'il torture ses personnages. Ah, vous êtes tout de même un tout petit peu vicieux, non ? Quel est votre vrai caractère ? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand vous avez du temps devant vous ? Bien, j'aime bien me promener, être seul. J'ai un peu horreur de la foule. Diable ! Eh bien, ce soir, vous êtes servi. Eh bien, mesdames et messieurs, tandis que nous passions ce film tourné avant-hier, ici, il s'est produit un léger incident et l'organisateur a été obligé de modifier l'ordre des combats. Monsieur Durand, voulez-vous dire pourquoi, alors que nous attendions à voir le match entre le Duc et le Bourreau de Béthune, nous voyons actuellement un autre match qui est celui de... Eh bien, tout simplement parce que le Bourreau de Béthune a été empêché d'entrer à la salle d'armes par la foule énorme qui se presse devant. Et ce qui a motivé, évidemment, l'arrivée... Vous n'avez pas voulu de temps mort dans la réunion et vous avez interverti dans les combats. Mais ça nous gêne un tout petit peu, je dois vous dire, puisque nous venons de passer l'interview de Le Duc. Je suis parfaitement désolé. Je comprends que vous avez des spectateurs ici, vous n'ayez pas pu attendre que le bourreau de Béthune fût là. Alors, voudriez-vous nous présenter vous-même, très brièvement, ces deux catcheurs ? Eh bien, il est question du matraqueur européen numéro 1, Robert Gastel, qui est en slip, contre le roi de la Tehuaza, Gabi Calderon, vous savez que... Qui est actuellement par terre. Voilà. Merci. Eh bien, maintenant que le problème est posé, nous allons commenter ce combat. Et qui est le combat de deux hommes forts, de deux hommes puissants. Avec Gastel actuellement prenant l'avantage et prenant en même temps des positions avantageuses. Qu'est-ce que l'avantage ? L'avantage, c'est la position qui permet à un homme de se montrer sous tous ses avantages. C'est la meilleure définition que nous ayons pu trouver jusqu'ici, tandis que son adversaire a beaucoup de mal à trouver la prise qui pourrait rétablir la situation. Situation verticale, le buste étant placé verticalement par rapport aux jambes, du moins perpendiculairement par rapport aux jambes, il est vrai que l'on peut être dans cette ambiance étonnante un tout petit peu brouillée avec les règles de la géométrie. Et deux bras puissants de Gastel précipitant Gabi Calderon par terre. Et Calderon semblant avoir mal, tandis que Gastel, lui, s'avance sur lui, l'œil vengeur. Ah, 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 l'œil vengeur. Avertissement donc à Robert Gastel pour lutte irrégulière. Calderon pèse 87 kilos, l'autre 95 kilos, c'est-à-dire qu'il y a 16 livres d'écart entre eux. Mais Calderon est le champion de la Tehuaza. C'est une sorte de lutte occidentalo-asiatique qui consiste à frapper les poings et les organes vitaux de l'adversaire. C'est une lutte extrêmement dangereuse lorsque l'on n'est pas expert, mais justement, Gabi Calderon est un expert, comme vous le voyez. Quoi de plus sensible pour un homme que la tête ? Ça dépend pas là. Et vous avez remarqué, bien sûr, que Calderon luttait pied et remonte son pantalon lorsqu'il le faut, se mettant ainsi en position de l'homme bondissant. Stationnement interdit en zone bleue, mais nous ne sommes pas en zone bleue. Manchette à Calderon, nouvelle manchette. Il ne peut rien faire en une fois, il le fait en deux. L'arbitre nous a montré qu'il savait compter jusqu'à 4, il nous montrera une prochaine fois s'il sait compter jusqu'à 5. Et le public applaudit parce que Robert Gastel prend véritablement dans les endroits vitaux de son individu des coups durs, très durs. Souffre, se redresse néanmoins, tandis que l'odeur de la vengeance se répand dans la salle. Mais le champion de la Tehuaza, tout champion de la Tehuaza qu'il soit, n'est pas en position de supériorité. Il convient de dire que c'est un homme myope, qu'il porte en général des lunettes, et qu'aujourd'hui, sans lunettes sur les rings, il est désavantagé. D'autant plus que, vous le voyez, Robert Gastel est en pleine forme. Belle prise. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, se dit Calderon, lequel enfourche
Plougastel. Et lui fait subir quelques petits titillements que nous ne voyons pas car il s'en fait en position contraire au champ de la caméra. Mais ici, merci Vicky Evernel qui nous avait montré avec l'autre caméra comment ça se passe. Eh bien, cela se passe véhémentement. Véhémentement, un troisième homme intervient, un troisième homme dont l'utilité est manifeste, l'arbitre. L'arbitre qui donne un deuxième et dernier avertissement vient de dire le speaker Robert Castel. Tandis que Calderon, lui, n'arrive pas à prendre l'avantage. Il faut tout de même dire que Castel a 16 livres pour. Tandis que l'ambiance, elle, devient de plus en plus chaude, de plus en plus dure, de plus en plus fougueuse. Oh ! Il a vraiment mal. Des projectiles divers viennent dans la, entre les cordes du ring. Nouvelle manchette. Cela se joue en somme en trois manchettes et une pabelle. Les cordes intervenant. Et finalement Calderon appliquant les coups de l'Atewaza, les appliquant perpendiculairement, les appliquant de toutes ses forces, va faire pencher l'avantage pour lui en ayant fait horriblement mal à Castel. Et vraiment c'est un combat qui se termine, semble-t-il, fort rapidement. Et j'ai rarement vu un combat se terminer si dramatiquement, un combat se terminer si rapidement, puisque Robert Castel, hurlant de douleur, va vraisemblablement être emporté. Vous entendez, je pense, les cris de Robert Castel. Et l'autre, le vainqueur, Gaby Calderon, est obligé de lui remettre le bras en place selon les meilleurs principes de toutes les disciplines de combat qui touchent de près ou de loin au jiu-jitsu. Le vainqueur a mis des lunettes, ce qui me le rend infiniment sympathique. Merci pour cette marque d'amitié, cher Gaby Calderon. Il lui serrerait volontiers la main à Robert Castel, lequel hésite. Et partagé entre la douleur et la sportivité, il a touché la main, cela suffit. L'autre se drape dans sa dignité en même temps que dans sa veste noire et quitte, pied après pied, mais les deux pieds demeurant nus, le ring où il vient de gagner. Tandis que Castel reste toujours au milieu du ring, l'épaule semblant-il extrêmement douloureuse. Et s'il passait à côté de mon micro, je lui demanderais ce qu'il a. Vraiment, c'est difficile à juger d'ici. Je fais signe à son soigneur qu'il veuille bien m'amener. Pourriez-vous m'amener Castel ici, une seconde? Le temps que Gilbert Leduc et le bourreau de Béthune montent, j'aurais voulu savoir si vraiment Castel a mal. On est quelquefois partagé entre la nécessité de faire son métier d'informateur et le désagrément de faire parler un homme qui a mal. Je ne lui poserai bien entendu qu'une seule question. Robert Castel, voudriez-vous montrer aux téléspectateurs ce qui se passe? Vous avez mal à l'épaule, qu'est-ce qui se fait? C'est extraordinaire, j'ai l'impression d'avoir une brûlure, j'ai l'impression que tout est déchiré dans mon épaule, je ne peux plus regarder ma main, je ne peux plus bouger. Alors écoutez, je vous laisse passer, vous avez combattu vaillamment, je vous laisse filer, merci. Remettez-vous, j'espère que ce ne sera rien. J'ai entendu derrière moi les cris, c'est du chiquet.